Salut à tous! Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Frédéric Edelstein, qui est le dresseur des lions blancs là, que vous voyez sur l'affiche. On est super content parce que ça, c'est vraiment une exclusivité pour la chaîne des mots jouets. Bah oui, attends, regarde, regarde. Hop! Camouflage! On sent pas un lion là, un peu là. Allez, on y va! Il est immense ce cirque. Ouais. Aïe aïe aïe. T'as vu ça, Fantin? Le voilà, le lion. Hein. Il est magnifique. Mais c'est pas encore un vrai. Allez, on va voir le vrai lion, les enfants. Danger, ne pas franchir cette barrière. Eh ben oui, parce que là, bah, on est devant la cage des lions. Ah oui. Et des lionnes. Ah, ils sont là, les lions, regarde. Tu les vois, Amantine, ou pas? Regarde, tu les vois? Tu penses que je peux garder mon blouson là avec la capuche? J'ai peur qu'ils me prennent pour un copain, un truc, non, si jamais. Et si on remplaçait Léo et Léa par les deux lions, les lionnes et les lions? Ça te dirait? Alors Amantine est assez impressionnée. Hein, ah oui, c'est normal. Là, c'est le dompteur, Amantine. Tenez les puces. Regarde, je vous ai ramené un programme. Wow. Ah, c'est gentil. Ah, oh, c'est gentil pour ça. Pour chacun. Et voilà. Puis pour papa et maman. Ah, oh, bah c'est gentil, voilà. Merci. Il y a le programme et une affiche. Je vais vous faire une petite répétition avec mes lions blancs. D'accord. Voilà, puisque les lions, ils sont là. C'est ouais. Les vedettes du spectacle 2016 et 2017. Tout à fait. Du Cirque Pinder. Tout à fait. Et comme c'est encore des jeunes bêtes qui n'ont que 3 ans et 4 mois. Ah oui, ils sont déjà bien grands. J'ai besoin de les faire travailler tous les jours en plus des spectacles. Donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer. C'est génial, on a vraiment une chance extraordinaire. Pour vous, hein. Oui. Il y a 3 spectacles, donc 3 spectacles, c'est pas simple. Exactement, pour nos abonnés, vraiment, ils vont être ravis. Puis nous, vous savez que moi, c'est un rêve. Enfin, le cirque, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Les fauves, bien évidemment, c'est un rêve hein, ouais. Pour moi et pour les enfants aussi. Bah, donc écoutez, on vous remercie. C'est un plaisir de vous accueillir. Ah, vous êtes gentil comme aux tout. Enfants, oui, alors, Amantine, tu as c'est vu, les grands, mais c'est aussi les enfants. Oh là là, c'est formidable. On est vraiment au plus près là. Hein. On reste à cette distance. Hein. Je vais pas faire le numéro en entier. Je vais juste vous faire un petit aperçu de ce que je fais pendant le numéro. Ah, c'est génial. Hein. Histoire que les enfants puissent voir les jeunes lions blancs et que je suis fier d'avoir au cirque parce que vous savez que les 12 bêtes. Comment vous vous appelez? Vous appelez comment? Fantin, dis donc, c'est joli ça. Alors, c'est avec un F, comme Frédéric, comme moi. Exactement. Et toi, comment tu t'appelles? Amantine. Bah, c'est joli ça, dis donc, Amantine. Alors, vous savez, les 12 lions blancs que vous allez voir dans la cage avec 12. Moi, pendant la répétition, puis aussi pendant le spectacle, c'est 12 bêtes qui viennent d'Afrique du Sud. Et je suis très fier, je le dis bien, tu vois, à tes parents, et je vous le dis à vous aussi, je suis très fier de les avoir au Cirque Pinder avec moi. J'ai payé ces bêtes entre 15 et 18 000 euros pièce. Oh là là. Et surtout, ils étaient destinés dans les fermes d'élevage dans lesquelles ils étaient en Afrique du Sud, qui est leur pays d'origine. Ils étaient destinés à se faire tirer dessus par des chasseurs ou des touristes. Oh, quelle horreur. Pour le business de la chasse. C'est-à-dire que les 12 bêtes que vous allez voir maintenant ont été sauvées. Sont 12 bêtes que j'ai, entre guillemets, sauvées de ce business horrible et scandaleux de chasse, de ramener des trophées de lions blancs, de safari organisé, c'est exactement ça. Et ils étaient destinés à ce triste business et je suis d'autant plus fier de les avoir avec moi au cirque parce que je les ai sauvés de tout ça et au moins ils vivent maintenant une vie paisible. Et puis surtout, c'est des vedettes, c'est des artistes, c'est des stars. Sandro, c'est vous qui faites le numéro avec les chiens? Oui, aussi. Ah, d'accord. Il est incroyable. Les lions, c'est incroyable. Les chiens et les chameaux, c'est incroyable. Image exclusive pour des mots jouets, nous allons rentrer dans la cage des lions. Regardez, c'est incroyable. On est dans la cage. Oh là là, c'est incroyable. Regardez ça. On est dans la cage. Fantin, ça te fait quoi d'être dans la cage des lions? Hein? Tu te sens rassuré là? Ressortez. Allez, on ressort. Viens, Fantin, vite, vite, avant que les animaux n'arrivent. Vite. Ah oui, dis donc. Ça, c'est la nourriture des lions. Hein.
Est-ce que c'est vrai que en fait un dresseur doit être tous les jours avec ses animaux, c'est-à-dire que tous les jours, vis avec eux. Mais comment vous faites pour partir en vacances, ben, par exemple? Je pars pas en vacances. C'est moi qui les forme. Ouais. C'est moi qui les qui à vrai dire les leur permet de devenir artistes. Ouais. Tout ce qu'ils font sont des choses qu'ils font naturellement dans la nature. Ouais. Mais ce que moi je leur donne en plus, ouais, je l'orchestre dans la cage comme j'en ai envie et surtout comme je le veux. D'accord. D'aller voir. Ok. Donc, ok. Bon, rassurez-moi, moi je ne crains rien. Oui, non, pour l'instant, j'espère. Oh là là. Ok, davai. Six, madame, première. Ok, davai. Oh là là, regardez cette bête. Cette bête magnifique. Alors, j'ose à peine bouger, en fait. J'ose à peine bouger, tellement que je suis prêt. Oh, oh, ils sont magnifiques, regardez. Magnifique. Non, super beau. Sublime. Oh, nice, très fini. Digne d'aller. Oh là là. Là, les lions sont arrivés. Voilà, là, ils sont magnifiques. Alors moi, j'ai la main à travers le grillage. J'ai une autorisation spéciale du dompteur pour le faire. Je tremble un peu, mais bon, je le fais pour vous et pour vous montrer au plus près ces animaux étonnants et magnifiques. Elles sont superbes, ces lionnes. Et regardez ces lions. Oh là là. Oh, ils sont superbes. Oh là là. Oh là là. Oh. Wow. Extraordinaire. C'est incroyable, non, ce qu'on voit là, hein? C'est fou, hein? Amantine. Il fait des bisous, Amantine est captivée là. Voir des lions qui se font des bisous. Oh là, là, là. Il n'est pas content là, le mâle. Moi j'ai eu la flip de ma vie là. J'ai cru que le dompteur allait se faire mordre. J'ai vraiment cru qu'il allait se faire mordre. J'ai eu un peu peur pour vous là. Ah bah oui. Ah oui. Moi aussi. Vous aussi vous avez eu peur, ouais. Elle m'a repéré, donc on m'a tout de suite demandé de m'écarter parce que j'étais en danger. Regardez ce qu'il leur fait faire, c'est incroyable. Ils se mettent tous sur leurs pattes. Bravo! Bravo! Et vous leur parlez en quelle langue? En anglais et en allemand. Voilà ce qu'ils me répondent. Eh oui, parce que ce sont des langues plus dures et je pense que les animaux ont besoin aussi d'avoir un peu d'autorité pour obéir à leur dresseur. C'est comment les lions, ça te plaît? C'est bien les lions. Là il est en train de tous les coucher. Ils vont tous se coucher. C'est incroyable.
incroyable. Là, il leur fait tourner les têtes. Yael, Yael, Sophie, Yael, Chiba, Yael, Chaka, 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 ha 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 ha. Zona, Zona. Pas comment je stresse là. Ok, prêt. Vite, venez. Suli. Non, 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 Suli alors. Ok, il y a. Hop, 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 hop. Les lionnes se couchent sur leur dresseur. C'est un truc de fou ça. Et voilà. Bravo. Bravo. Alors là, vraiment, bravo hein. Recule. Ah la vache. Attention. Ah là là, il a... C'est la lionne, elle a renversé le dompteur. Aïe aïe aïe. Bah comme quoi, c'est vraiment un métier super dangereux. Non, 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 ça c'est pourquoi. C'est parce que la pyramide s'est mal montée et on peut pas ouvrir la porte. Oula. C'est pas la faute des bêtes, c'est la faute des hommes. Ok. Allez, 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 allez. Stop, allez. Hey, stop, allez. Yes. 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 C'est allez, pas yes. La faute des hommes, c'est la faute des hommes. Oh, ok. Bravo, vraiment. Bah, hey, moi je l'aurais bien fait, mais en fait, Amandine, elle voulait pas me lâcher, après, alors je pouvais pas aller dans revenir. Le. Hein? Après les lions vont revenir. Après les lions, ils vont revenir? Oui, ils vont revenir, certainement. Hein? Quoi, qu'on ramène un lion à la maison? Oui, ah, Amandine, elle voudrait ramener un lion à sa maison. Alors, c'est... Ça, c'est on a déjà Léo et les gars, je suis pas sûr qu'ils s'entendent bien. Hein. C'est formidable ce que vous nous avez fait là, pendant vraiment. Le spectacle. Mais... Mille merci. Hein. J'ai des paillettes de distance. Eh ben oui, mais vous êtes beau déjà tout en bleu comme c'est ça. Vrai. Ouais, vous êtes super, ben. Moi aussi. Avec votre casquette. Le chapeau en rouge. Le problème, c'est que je me suis mis en rouge et du coup, je me suis dit, mais je vais ressembler à de la viande en fait. Non, non. On dirait le chapeau en rouge. J'espère seulement que je ne suis pas le loup. Parce que là, ça pourrait devenir dangereux. Mais c'est incroyable hein, ce que vous faites c'est avec vrai. Vos animaux, mais c'est. Enfin, vous avez l'habitude, mais vous faites ça depuis combien d'années? Un an et demi de répétition depuis tout petit, je suis né dedans. Vous êtes né dedans? Ah oui, c'est ça, oui, donc forcément. Vous n'avez plus du tout l'appréhension, mais par moments, là, quand il y en a un qui s'est pris un peu à vous et tout. Ah oui, mais il n'y a pas longtemps, elle m'a filé un coup en faisant ça. Mais oui, parce que même s'ils ne cherchent pas à vous blesser, ils ont des griffes tellement énormes. Toujours être vigilant. Bon, je fais une bise à vos petits, ouais. Ils sont par là. Voilà, on a mis bisous, Fantin. C'est adorable. Bisous, Fantin. Merci. De rien, ma petite. Amandine. Voilà pour Amandine. Waouh, wow, je regarde. Wow. T'as vu Amandine? Oh là là, mais vous êtes un amour. Hein. Là, super, comme ça, tu pourras la mettre dans ta chambre, tu vois. Carrément, ah, une dédicace. Alors, ça. Ah.
Ça, on est content. Hein. Quand vous étiez allongé, ça tient chaud quand même, non, d'avoir tout ce... Ah oui, oui. Hein. C'est... Mais tu sais très bien que je pose toujours des questions un peu. Hein. L'été, je le fais, je suis torse nu. Que... Ah oui, bah oui. Ah oui, tiens, Amantine. Amantine, tiens, wow. Merci. Fais voir un peu le poster. Wow. Ok, je vous fais une bise, les puces. Eh, merci. Hein, grosse bise, merci temps. Beaucoup. J'ai pas besoin de temps de déjeuner quand même. Non, non, mais je mange pas parce qu'après je rentre pas dans les costumes. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, de temps en temps, vous mangez bien. La viande que vous donnez aux animaux, de temps en temps, vous mangez bien. On mange exactement la même chose. Poulet, bœuf. Ouais, bœuf. Pareil que. Et les plus beaux, eh ben allez, je vous dis, petit secret, ouais. Les plus beaux poulets, je les garde pour moi. C'est un secret que j'ai gardé. On le répète, chute. Hein. Salut Amantine. Salut ma grande. Bon, bon après-midi, je vous fais une bise aussi. C'est la grand-mère. Ah, c'est la grand-mère. Vous êtes trop courageux. Bah oui. C'est vrai. Ah, j'admire. Ah, vous admirez. Ah oui, oui, mais là... Bah, oui, c'est trop courageux. Si elle avait 40 ans de moins... Et moi, si j'en avais peut-être un peu de plus, ça tombe jamais. Allez. Merci voilà, beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Salut merci. Les puces. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Faites attention à vous, quand même. Ouais, ouais. Il est super, lui. Hein. C'était il est excellent. Énorme, hein. Tout excellent. Ça, rien que pour nos abonnés, ouais. Rien que pour nos fans. Il a accepté de nous faire. Bah oui, accepté de faire un numéro dédié. Il est super gentil. Ouais, et les bêtes sont énormes. Hein. Hyper, ah ouais, non, mais c'est magnifique bête. Enfin, bon, tout était génial. Voilà, moi je suis rentrée à moitié avec mon bras dans la cage des fauves. Je suis pas peu fière. Ouais. Il faut qu'on récupère notre caméra. Oui, d'ailleurs, c'est sûr, on va le faire. Voilà, bon, en attendant, gros bisous. Gros bisous, abonnez-vous, partagez et tout. Pouce bleu, ciao.